Qui aurait pu penser que l'avenir du monde fût suspendu à la célébration d'une rencontre? Vous voulez du savon? À quoi bon? C'est marrant. Je me suis toujours demandé si en lavant son extérieur, l'homme ne cherchait pas finalement à purifier son intérieur. Stéphane Gibloux, professeur de pinguisme. De pinguisme? Oui. J'apprends aux gens à se mettre à la place des pingouins, dans la perspective d'un réchauffement climatique qui, si l'on en croit les plus éminents scientifiques, risque de se finir en cinquième glaciation. On se détend, on se détend. On va bientôt descendre en dessous de la température de moins 10 degrés Celsius. Vous allez ressentir les premières sensations du gel. Quand vous le sentirez, vous allez vous rapprocher pour essayer de partager votre chaleur à la manière des pingouins. Allez-y, c'est quand vous voulez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez pour qui la sardine? Allez pour qui la sardine? Allez pour qui la sardine? Très bien, Jacques. Très bien, Jacques, très bien. Oh! Roland Gerbier, œnopédiatre à l'université Pierre Cochin, à la Salpêtrière à Paris, en face de la Bastille, à deux pas des Champs-Élysées, métro Gare du Nord. Cela consiste en quoi? Figurez-vous que j'étudie, entre autres choses, les effets du vin rouge sur les nourrissons. C'est intéressant. Oui, oui. On s'aperçoit aujourd'hui que les jeunes enfants s'adonnent à la boisson de plus en plus tôt. Sans doute pour évacuer inconsciemment l'angoisse terrible qu'ils éprouvent par rapport au monde qui les attend. Vous lui donnerez un petit calva sur le coup de 10h? Je pourrais avoir un verre de vin rouge. Mais non, mon vieux. Tu sais bien que le vin rouge, c'est pour les petits. Et la petite Annalouce, qu'est-ce qu'elle va boire? Du vin. Annalouce? Annalouce? Allez, à ta santé. Messieurs, je vous écoute depuis un bon moment et une phrase me vient à l'esprit. Le monde ne serait-il pas à deux doigts de succomber et chercherait avec frénésie son troisième doigt? Malheureusement, il travaille dans une scierie. Enchanté. Daniel Spongdatenter, je suis photographe de porc pour une revue qui s'appelle Photo de porc. Photo de porc? Oui. Il m'est arrivé de la lire. Les reportages sont très bien faits. Tu sais combien ça me coûte, Peggy? On la voit, on la reconnaît sur la photo, on la reconnaît pas. Et cette typo, c'est quoi? C'est une publicité pour les pneus? Allez bosser, les mecs! Allez bosser! Je... Oh. Psst, psst, hey. Mmh, oh. Ah. Oh. On est là pour faire rêver les gens, hein? Vous permettez que je vous masse? Avec plaisir. Messieurs, il faut se rendre à l'évidence. Bien que nous soyons tous trois d'incontestables modèles de réussite sociale, nous ne sommes pas heureux. Les choses vont de mal en pis sur cette terre et j'ai bien peur qu'il ne soit déjà trop tard. Mes amis, je ne vous surprendrai pas en vous disant que tout ce qui nous accable aujourd'hui est dû aux excès de la civilisation marchande et à la toute-puissance du système capitaliste. Roland, pouvez-vous me laver les pieds, s'il vous plaît? Bien sûr. Mais comment sommes-nous arrivés là? Eh bien, il n'y aurait pas eu de capitalisme s'il n'y avait pas eu la révolution industrielle. Il n'y aurait jamais eu de révolution industrielle sans les protestants. Évidemment. Cela dit, il n'y aurait pas eu de protestants si les catholiques n'avaient pas fait n'importe quoi à cause de ce satané Jésus qui, au passage, a sans doute été inventé de toutes pièces pour servir d'icône à un mouvement de pensée. Et vous savez de quel mouvement de pensée je veux parler? Le platonisme. Quelle horreur! Mais le pire dans cette histoire, c'est que tout le monde sait aujourd'hui que Platon gagnait sa vie en faisant des imitations de Socrate. Donc, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est par la faute de Socrate. C'est lui qui a foutu le bordel. C'est Socrate! Si nous sommes en pénurie d'énergie aujourd'hui, c'est à cause du Moyen-Orient. Mais pourquoi?
Parce que les Arabes ne pensent qu'à se venger. À se venger de ce qu'ils ont subi pendant la guerre du Péloponnèse. Tout ça, c'est à cause des Grecs, bien évidemment. Et au passage, savez-vous qui était ministre de la guerre à cette époque? C'était un certain Bureaucratidas, appelé en dernière minute afin de pallier la défection d'un homme qui aurait pu calmer le jeu avec des visions beaucoup plus pacifiques. Vous voulez parler d'un homme qui a développé la pensée sous ses formes les plus abjectes? Oui. Un homme qui a empoisonné le monde avant de s'empoisonner lui-même? Oui. C'est Socrate. C'est Socrate. C'est Socrate. C'est Socrate. C'est Socrate. Cet homme qui a séparé le corps et l'esprit, en plaçant le merveilleux au-dessus de nos têtes, plongeant le monde dans d'horribles souffrances, je l'empêcherai de devenir un martyr. Regardez, regardez, il est là-haut. Assis sur un nuage d'idées stupides. Regarde à toi, Socrate. Même regarde, tu ne te connais pas toi-même. Tu vas apprendre toutes les lettres. Bienvenue en Grèce, messieurs. À mon avis, nous sommes en Grèce. Et ceci nous arrange bien. Bonjour. Bonjour. Je suis Thermos. Thermos le jeune. Et moi, je suis Herpès. Herpès de Thébès. Et moi, je suis Mykos. Mykos l'ancien. C'est délicieux. Mais vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes des étrangers. Des touristes. Oui. Je ne vous conseille pas d'aller à Athènes en ce moment. Avec les joutes philosophiques, c'est impossible de circuler. Ah bon? Surtout que cette année, il y a la star de la dialectique. C'est ça? Le grand Socrate. Socrate? Messieurs, nous n'avons pas une minute à perdre. Allons-y. Ainsi donc, nous nous retrouvions sur les terres mêmes de celui que nous jugions comme le grand responsable de la décadence humaine. Et ce, par la seule force de notre volonté. Monsieur, regardez, c'est de la giroflette dorée. C'est une plante qui poussait à 60 km d'Athènes. Nous sommes dans la bonne direction. Allons-y. Messieurs, vous ne passerez pas, les gars. C'est compris, les amis? Qui êtes-vous pour nous empêcher d'aller vers notre destin? Je suis le Sphinx. Le Sphinx? Oui, bien souvent, on ne me croit pas, et c'est normal parce que je suis mystérieux. Eh bien, enchanté, monsieur le Sphinx. Bon. Allons-y, le temps presse. Stop! Vous ne passerez pas avant d'avoir résolu cette énigme. Quel est l'animal qui a 1000 pattes le matin, 1000 pattes le midi et autant de pattes le soir? À 1000 pattes! Vous êtes très fort, étranger. Vous n'êtes pas de la région. Comme bien les étrangers. Adieu, monsieur le Sphinx. Passez. Vous êtes jeune, Daniel. Vous n'avez pas compris qu'il ne faut rien emmener du futur si l'on veut refaire le monde à notre façon? Vous êtes en train de remettre le verre dans le fruit. Donnez-moi cette calculette. Non. Donnez-moi non. ça. Non. Daniel, donnez-moi cette calculette. Non. Daniel. Mais vous ne croyez pas que l'informatique s'est fait de dégâts comme ça? Daniel. Daniel, rendez ça. Daniel. Non. Daniel. Non. Mais quel est ce chant mélodieux, semblable au cri d'une génisse sorti du ventre d'un cygne? Ne les regardez pas. Ne les regardez surtout pas. Allions-nous trouver la force de résister à la tentation de ces corps délicieux, gorgés de sensualité, qui de toute évidence avaient été placés là pour nous empêcher de rejoindre Athènes? Serions-nous résistés à ces appels envoûtants, comme le fit si bien Ulysse face aux sirènes? En choisissant la chasteté, nous découvrions une nouvelle liberté. «
Le poète japonais avait bien raison. Rien, désormais, ne pourrait nous arrêter. Messieurs, il se fait tard. Je propose que nous établissions notre campement en haut de cette colline. Carpes, vénérable compagnon, aurais-tu la gentillesse d'aller chercher du bois pour préparer notre repas ? Pourquoi moi ? C'est vrai, tu as raison. Je pourrais le faire, à moins que Mikos ne se propose. Je suis fatigué, vénérable Thermos. Et je pense que Herpès est la personne la mieux placée pour accomplir cette noble tâche. Ce n'est pas que j'ai pas envie de le faire, mais vous n'avez pas décidé à ma place. Je suis né libre et égaux en droit. Je vous rappelle que nous sommes en Grèce, en démocratie. Tu as raison, Herpès. Ta parole est noble et juteuse, comme la figue tombée de l'arbre. C'est vrai que nous sommes en démocratie. Votons. Votons. Qui est d'accord pour que Herpès aille chercher du bois ? Et qui vote pour que Herpès fasse aussi la cuisine ? Bravo, bravo Herpès ! Bravo, bravo. Installez-vous là, les amis. Je m'occupe de tout. Pour l'instant, je vais aller vous préparer quelques olives fourrées au gland. Vous m'en direz des nouvelles. Herpès, si vous pouviez nous procurer un complément en protéines sous la forme d'une biche ou d'un jeune veau. Oh, mais c'est prévu. Ah là 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 là. Mon bon Thermos. Cette friandise me met en appétit. J'ai le sentiment qu'avoir un serviteur loyal et dévoué nous faciliterait vraiment la tâche. Tu veux dire un esclave ? Tout à sa joie de son nouveau statut d'esclave, ce bon Herpès nous régalait des mets les plus fins. Gigonde de filet de veau à la sauce nomade, truffignol de saumon albinos à la confiture de sauterelles, farci de pieds de porc à la nougatine. Nous n'en étions qu'à la mise en bouche. Que vous êtes beaux, mes maîtres. Si je pouvais, je poserais un diadème d'or sur vos têtes. Le chien a besoin de viande pour manger. Le veau a besoin de mamelles pour téter. Moi, je dis que j'ai besoin de vos ors, mes maîtres. Que vous êtes beaux, mes maîtres. Monsieur, regardez, c'est de la giroflette dorée. C'est une plante qui poussait à 60 km d'Athènes. Nous sommes dans la bonne direction. Allons-y. Mais bon maître, je me sens un peu là. L'un d'entre vous aurait-il l'obligeance de me fouetter afin de me redonner du cœur à l'ouvrage ? Prends ce fouet, Herpès, et punis-toi toi-même. Nous n'avons pas de temps à perdre si nous voulons arriver à Athènes avant qu'il ne soit trop tard. Bien sûr. Allez, dépêche-toi. Fouette-toi jusqu'au sang. Très sang, Herpès. Allez, plus vite. Plus fort, Herpès. Dépêche-toi donc. Oh non, pas lui. Vous me reconnaissez, étranger ? Non, bien sûr, vous ne pouvez me reconnaître. Mais vous ne passerez pas avant d'avoir résolu cette énigme. Quel est l'animal qui a zéro patte le matin, zéro patte le midi ? Un ver de terre. Mais comment avez-vous trouvé ? Vous cherchez à me rendre fou ? Facile, facile, monsieur le sphinx. Facile. Herpès. Herpès.
Bien que je dois admettre que cette calculatrice nous ait rendu d'innombrables services, je ne suis pas rassuré de l'avoir entre tes mains. Donne-la-moi. Non. Donne-la-moi, te dis-je. Donne-la-moi, Hermès. Cette machine venait à tomber entre les mains d'éminents savants. Elle ne ferait qu'accélérer la décadence de l'humanité. Il faut s'en débarrasser au plus vite. Non. Reviens, Hermès. Hermès. Reviens, je vais t'expliquer. Par les chiens, mais c'est le temple de Delphes. Je m'ennuie ça. Cette femme est attirante au-delà de toute mesure. Ne vous échauffez pas, Thermos. Malgré les apparences, cette femme est pure et elle doit le rester. Si elle veut que les dieux lui parlent, c'est la pitié. Regardez. Elle confie l'oracle à Hermès pour qu'il l'amène jusqu'à Athènes. Je crois savoir ce que contient cette jarre. Comme nous l'indiquait la giroflette dorée, une plante qui poussait à 60 km d'Athènes, nous étions dans la bonne direction. Enfin, nous touchions à notre but. Et l'immonde Socrate ignorait tout de ce qui allait lui arriver. Le monde allait être sauvé. C'est ça, Athènes ! J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as enseigné. Mais c'est le Sphinx ! Chut ! Braille de guerre, ça a déjà commencé. Dépêchez-vous, ça a déjà commencé. Un Socrate est opposé à Byblos l'Ancien. Dis-moi, vaillant Byblos, puis-je te poser une question ? Pose donc ta question, noble Socrate. À quoi penses-tu en ce moment ? Je pense tout simplement à la pensée. Et que penses-tu de la pensée ? Je pense que la pensée est la somme des questions auxquelles on pense. Tu le penses ? Vraiment ? Non seulement je le pense, mais qui plus est, je pense que la pensée est la somme des réponses aux questions auxquelles on ne pense pas. Alors dans ce cas, comment peux-tu penser les réponses aux questions auxquelles tu ne penses pas ? Si en ne pensant pas les questions en réponses auxquelles tu ne penses pas les réponses aux questions auxquelles tu n'as jamais pas pensé. Oh ! Je parle hébreu. Vous avez vu ce qu'il lui a mis ? Pour moi, cet homme est une véritable énigme. C'est au tour d'Orthophonias le bègue. Le dernier mot. Peux-tu me répéter ce que tu viens de me dire ? Par Héphaïstos, ça n'a vraiment pas l'air très évident de vaincre ce satané Socrate. Bonjour, honorable Socrate. Je suis Alzaïmos de la province d'Amnésie. Bonjour. Comment t'appelles-tu ? Y a-t-il dans cette assemblée un homme assez valeureux pour venir défier le grand Socrate sur le terrain de la pensée ? Socrate, il y a là justement trois étrangers venus tous trois de l'étranger pour te défier. Approchez, messieurs. Méfie-toi, Socrate. Ces étrangers ne m'inspirent pas confiance.
Ne t'inquiète pas, Platon. Celui qui me vaincra n'est pas encore né. Nous relevons le défi, Socrate. Nous sommes venus jeter le trouble dans ton esprit pour te faire renoncer à ta carrière de philosophe. Messieurs, c'est moi qui fixe les règles. La partie se déroulera en deux manches, de 3 coups et 4 pertinences. Si vous réussissez à me faire douter une seule fois, alors je renoncerai à ma carrière de philosophe. Nous nous plierons volontiers à tes règles, Socrate. Mais nous permettras-tu de poser nous-mêmes les questions dont nous devrons débattre ? Ça n'est pas dans mon habitude. Mais j'accepte. Dis-moi, noble Socrate, si par hasard tu étais amené à voyager dans les terres lointaines, le ferais-tu en Mercedes coupé cabriolet ou en Fiat 500? 1000 pardons, étranger, mais je ne voyage que par la pensée. La pensée est noble. Elle seule va plus vite que la lumière. Socrate, qu'est-ce qu'il y a 1000 pattes le matin, 0 patte le matin et tout ça? Le matin! Viens. C'est à 1000 pattes qui s'est déguisé en ver de terre. Le matin. Non, c'est pas juste! Attendez, je vais lui régler son compte avec une énigme lacanienne. Dis-moi, Socrate. Ne penses-tu pas que la vie n'est qu'un jeu de Lego ? Lego. La vie, certes, est un long jeu de souffrance, mais certainement pas un jeu de mots. M-A-U-X. Dis-moi, Socrate, sais-tu quel est l'homme le plus sage ? Et si tu le rencontrais, que lui dirais-tu donc ? J'aurais tout à apprendre de lui. Mais cet homme n'existe pas. Figure-toi, Socrate, qu'il y a dans cette jarre que la pitié nous a confiée la question à la réponse que tu ne t'es sans doute jamais posée. Lis donc ce message des dieux. Sophocle est sage. Euripide est encore plus sage. Et de tous les hommes, le plus sage et Socrate ? Alors, comment, ô vénéneux Socrate ? Vénérable. Comment, vénérable Socrate, l'homme le plus sage peut apprendre tout de lui-même ? Surtout, si ce lui-même n'existe pas. Oh. Donc, Socrate, tu n'existes pas. Oh ! Quelle fête. Oui. C'est ainsi que nos valeureux guerriers libérèrent à jamais le monde du platonisme, mais aussi du communisme, du capitalisme, du chauvinisme, du parachutisme, calvinisme, ouais,
athlétisme. Prétorisme. Mais attendez. Strabisme, tout simplement. Balisme. Quoi? Aïe. Ça va, j'ai le droit aussi. Oh, bon Thermos. C'est beau. C'est comme ça. Non, non. Et le monde va inconcave. Écoutez-moi, Daniel. Daniel, puissant. Qui devait poursuivre son chemin à jamais. Faisons avancer la pensée pour que jamais elle ne puisse reculer. Arrêtez. Non, pas là. La joie d'un monde éteint et qu'il fallait désormais rallier.